des cellules photovoltaïques branchées en parallèle. Donc vous avez un premier panneau ici assemblé, 6 cellules photovoltaïques branchées en parallèle, et ici un deuxième panneau réorienté vers sud-ouest avec 6 cellules photovoltaïques, ce qui en fait 12. Donc la nouveauté, c'est que j'ai peint la harpe couleur camouflage, parce que le blanc pétant faisait que les frelons arrivaient passaient à côté ou dessus, et éviter soigneusement cette harpe. Donc là j'attends impatiemment le frelon, de façon à ce que je vois s'il se fait moucher ou pas. Et ben voilà, ça s'est pas fait attendre, vous voyez. Regardez-le lui. Celui-là, je pense qu'il a regretté de passer par la harpe électrique. Ben, je vais le laisser griller un petit peu. Voilà. Ah. Regardez. Et de deux. Oh. Alors on va les laisser fumer parce qu'au moins ça attire les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vois passer les abeilles et les guêpes. Ah, un troisième qui arrive, attention. Un troisième individu, un insolent qui arrive, qui fait le malin. Il est à ras de la palette. Couleur camouflage efficace, à malin et demi, comme disait mon père. Alors le troisième, il est derrière, il est en train de renifler une plante au sol, je le vois là-bas derrière, il tourne. Est-ce qu'il va passer par la harpe? Oui, il passe par la harpe, il est en dessous de la harpe, là. Il passe sous le plancher, le voilà, attention. Le premier qui s'est fait électrocuter, il vient de descendre. Il est au sol. KO, knock out. Très efficace la harpe à 15 €, couleur camouflage. Là, il est encore en train de griller sur le fil. Encore un insolent qui fait le tour de la ruche, malheureusement pour lui. J'ai mis le grillage vert, donc maintenant ils ne peuvent plus attaquer par en dessous. Donc je vous rappelle, c'est la T25 à 25 mm. Il est en train de sortir le dard, il fait le malin. Il n'y a personne à piquer. Ah, et voilà. Le troisième arrive, voilà. Alors, boum, direct. Oh, mon Dieu, il s'est pris un flash, lui. Il vient de tomber au sol. Dès qu'il a touché le fil. Électrocuté. Quand il est en train de finir de cuire.